السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين غابينيت. اليوم عندنا هذا الخبز بالسميد اللي كيجي فارسي، كيجي بهذا الشكل هذا. الحباب تابعوا معايا الوصفه فلنبدا على بركه الله. لهذا العجين غادي نحتاج 600 غرام ديال السميده الرقيقه، 600 غرام دو سومول اكسترا فين وفين، 300 غرام تاع الفرينه، 300 غرام دو فارينه، معلقه كبيره ملح، يا كبيره سوب دو سيل. انا عندي هنايا معلقه كبيره ولا 10 غرامات نتاع الخماره الفوريه. Alors, on a une cuillère à soupe de levure sèche boulangère, environ, on a environ 10 grammes de levure sèche. Et là, il vient de rajouter. Deux cuillères à soupe, elle vient de rajouter deux cuillères à soupe d'eau tiède, d'accord? Pour faire dissoudre la levure. Et la quantité d'eau, on vous dira tout à l'heure la quantité exacte, hein, en milieu de vidéo. Allez, bismillah. On dit que le miel casse le corps qui bira. On dit que le miel casse le corps. Ouais, c'était pas prévu, mais là, elle rajoute une cuillère à soupe de sucre directement avec la levure. Ça va permettre à la levure de bien se développer. Hein. Ok. Allez. Alors, on va faire le miel avec la farine ou la semoule. D'accord. Donc là, elle mélange les ingrédients secs. On va faire le miel avec le corps. Donc là, elle verse donc la levure. Avec les deux cuillères à soupe d'eau. Au tiède, les amis, d'accord ? Voilà, à la marge, j'ai une petite idée, la farine. Avec les robots. Elle s'est blessée, Lyon. Ouais. Elle s'est blessée, Rabinette, donc elle va travailler au robot, pas à la main. Vous pouvez faire le travail à la main si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Bismillah. Allez, c'est parti. Ah, faut le brancher, Asier. Si tu ne branches pas, oui, ça ne marche pas. Allez, on y va. Alors petit à petit, elle rajoute l'eau tiède. Et une fois que la pâte sera formée, on vous dira donc la quantité qu'on a utilisée d'eau, hein, d'accord ? La quantité d'eau. On va faire le mâche chouïa par chouïa. On va vous dire combien vous avez besoin de l'eau dans le détail de la vidéo. Alors, tu as utilisé combien d'eau aussi, hein ? Alors, on a fait 700 ml de l'eau d'affi. Donc, on a mis 600 ml d'eau tiède, hein, d'accord ? Allez, on fait le tri pendant combien de temps ? On va faire 5 minutes de l'eau d'affi. On va vous dire. A tout de suite. 5 minutes de pétrissage. 5 minutes, hein. Ok. Voilà, on va laisser ça là-bas. Alors, on va laisser pousser la pâte tranquillement. Voilà. Ok. On va mettre un peu de zit. Alors, on va huiler légèrement la pâte. Allez, là, elle huile un petit peu la pâte. On va mettre un peu de zit à café. Ça va éviter qu'il y ait une croûte qui se forme. Et ensuite, on va la recouvrir avec un morceau de plastique et laisser reposer tranquillement. Pendant combien de temps, Asia ? On va la laisser tremper. On va la laisser le temps de la tremper. Ouais. On va la laisser tremper. Ouais, 40 minutes. 40 minutes. Oh, même pas. Là, il fait chaud là dans la pièce. Ouais. Voilà. À tout à l'heure. À tout de suite. Le choix, j'ai obtenu une éclate. J'ai fait une éclate avec une éclate de zit. Alors là, elle a pris une poêle, elle a mis 3 cuillères à soupe d'huile. Ici, elle a de la garniture. Alors, là, le chouchou, on va nous un nus de slam chalda. Un demi-oignon, coupé en cubes. Vas-y, mets-le, on dira après, tiens. Voilà. Comment on va se péter, là? On va se péter, là, hadi. Ouais. Il y a le harop, jus. Ouais. On va se péter, là, tiens. Dès que je suis à ça va mettre un petit peu de sel. Pour l'instant, on a mis un poivron coupé en petits cubes avec un demi-oignon, d'accord ? Là, la poivrée. Maintenant, dès que je suis à le plus plat. Le poivre, ouais. Voilà. Je suis à le charcon. Et là, on va mettre un petit peu de curcuma. Donc, une demi-cuillère à café. Ouais, ça va revenir ensemble. Alors, on va mettre les roues de taille, ça on va faire retomber la préparation et on va rajouter donc le poulet. A tout de suite. Fait de avec le bisla ou le fufla. Alors là, elle va rajouter le poulet maintenant avec la tomate, hein, d'accord. Que le poulet d'abord, ok. Là, on rajoute le poulet. Voilà. Ok. Il reste un morceau de poulet. Il reste un morceau de poulet. D'accord, ok. Tu rajoutes pas sel? Là, on a dit que je suis là. Alors, tu peux laisser cuire combien de temps à peu près là? Là, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite? Voilà. Okay.
نحط في هذاك الشيء هكا الصغيره هذه على هذا الشكل. اوكي هكا نجيو هنايا ونرميو ديك الماطيشة. دونك لا اون غا راجوتي لا طماطه. هنا عندي ثلاثه تاع الماطيشات، 3 طماط كيلو كيلو، نخليوها طيب على خاطرها. ولا سي كيف تمون فوالا لا فامي، بعد ما طابت هذيك الماطيشه وشربت داك الماء ديالها بريسي بيان لا فيون دي فوالا انفا بريسي بيان لو جو سيفابوري داكور. غادي نجي هنا وندير غير واحد جوج معالقات نتاع لا يفيني افيك دو كويير ا سوب دو جو دو كاتشوب باردون. Et ça va apporter la petite note sucrée très agréable lors de la dégustation. Allez, un mélange. Et c'est bon, c'est terminé. Citron, non? Je ne veux pas. Ok. Ouais. D'accord, donc là, laisse refroidir la petite farce. Et elle va détailler les pains en petites boules. Ndir hna chwel farine ala la farine le plan de travail tiali. Donc là, farine, le plan de travail. T'as la palette là-bas bleue, t'as vu ou pas, Asya? La famille, on a eu le gingembre et les chmer. Donc la pâte, elle a poussé, on a compté une heure environ de pousse. Khellina ha, hna khellina ha, ou khurjna. Alors, nfra kaitien, nfra mchouyablima. Ouais, donc on s'humidifie les mains. Dégazer la pâte, diali. On vient de dégazer la pâte. Il y a avec le gaz. On qsmha ala zouj. Donc là, la partage en deux. Je sais pas trop ce qu'elle va faire, hein. Mais elle fait. Donc là, la forme en boule. La farina, c'est un nouveau terme là. Farina. La farine. Elle devient espagnole, ça farina. Ah, si, hein. Farina. Farina. Oui. La famille est là. On le voilà, directement dans l'assiette. Ok. On la laisser repousser encore un petit peu. Là, pareil, elle récupère la deuxième boule de pâte. Ben, on fait former les mêmes tailles. T'as le compas dans l'œil, toi. C'est bien ça. J'essaye, on essaye. Ok, dans la farine. Dans la farine. Et pareil, dans la petite assiette. Après, rapproche l'assiette pour qu'il voie, s'il ne voit pas. Voilà. Sinon, je suis obligé de tourner la caméra et on va voir le bazar. Non, 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 les abonnés, vous ne verrez pas le bazar. Non, 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 non. Voilà. Allez. A tout de suite. A tout de suite, on va laisser reposer. Combien de temps, Sia? Ouais, le temps que la farce refroidisse, une dizaine de minutes, ok? Voilà. A tout de suite. Allez. Alors, radin va dire, je suis en farine. On farine légèrement le plan de travail. Elle vient étaler la pâte, je sais pas ce qu'elle va faire. Tu vas la mettre sur le machin, Sia? Tu peux mettre un papier cuisson en dessous pour pouvoir le déplacer? Non, non, ça va, ça va. D'accord, je suis en train de t'aider, moi. Radin va dire, la farce, radin va dire, la zouj. Je vous assure, je sais pas du tout ce qu'elle va faire. Farci. Elle a envie de me dire tais-toi et filme. Voilà. Ouais. Et après, tu fais quoi après? Après, on dit le chou, le fromage. Ouais. Alors, t'es sûr que ça a marché ton truc là? Alors, dit chou, le mozzarella. Bah, avec là, je peux commencer à manger moi déjà. Mmh. Ouais, tu vas faire quoi après? On dit une bléha. Ah bon? Oui. Tu vas te bléha, tu vas la fermer toi aussi. Aïe aïe aïe. Voilà. Hop. Ok. Donc là, pour l'instant, elle nous a fait un truc farci. Hein. Ouais. Ouais, mais ici, il n'y a pas un petit trou là, c'est pas grave. Tu refermes pas. C'est rien ça. Ok, tu gères alors, c'est bien. On gère. Ok. Bon, mais pour l'instant, ça, elle va répéter la même opération pour le deuxième. Je crois que je lève trop parce que sinon on va voir le bazar, les amis, le bazar. Allez. Ouais. Tu connais la farce qui est prête. Ouais. Piment de Cayenne. C'est-à-dire, on va dire le fufl har, le piment de Cayenne. Ça aussi toujours le fromage. Bien le rhubza tana. Non, OK, là on referme le pain. OK. Voilà. Elles sont belles tes bourses, hein.
Non, ok. Bon. Donc là, bah. Voilà, au départ, on est venu T'as chauffé le poêlon? Ok, on va aller sur le gaz, ok? Alors, Asya, tu viens de huiler la poêle? Voilà, il y en a سخنت لا بوال ديالي ودرت فيها واحد شويه تاع الزيت غير واحد شويه دهنوها Ouais. ونجيب الخبيزه ديالي Vous chauffez le poêlon, d'accord? Là, récupère son pain. Allez, Hop là, attention à ne pas vous éclabousser avec l'huile. Alors, vous étalez comme elle fait Asia et vous surveillez la cuisson. C'est simple, on a mis des petits ingrédients et vous allez vous régaler. Alors, attention, hein, si vous voyez des bulles apparaître comme ça, comme c'est le cas pour Asia, là sur le côté droit, n'appuyez pas trop, hein, d'accord? Ok, on va laisser cuire un petit peu, puis après on va retourner à la galette, ok? À tout de suite. Bon, attention les amis, Rabinette va retourner à la galette. Allez, bismillah. Waouh, super! Rabinette a retourné la galette! Quelle rime, les amis! Oh là 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 là! Bon, ça a plus cuit d'un côté que de l'autre. Parce que je pense qu'il fallait en fait tourner à chaque Ouais, fois le. on va le. Voilà. Donc, de votre côté, ne vous faites pas avoir quand vous mettez votre galette comme ça. Tournez le poêlon ou retournez la galette de façon à ce qu'elle cuise partout de la même façon. Ok? Donc là, sur le deuxième côté, tu vas faire, je pense, la même chose. Mais à mon avis, tu vas attendre que ça prenne Ben, d'abord un bien petit peu. sûr, on attend un petit peu. D'accord, tu dis que On tu est as dans tout, le elle y va temps. directement. Ah, bravo, Robinette, voilà. De toute Superbe galette. Oh là 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 là. Eh, on va se régaler, hein. Franchement, peu d'ingrédients, beaucoup de saveurs. Et on va faire plaisir à Et énormément de rapide monde. Et aussi, rapide. hein. Donc là, on laisse cuire tranquillement. Dès que c'est cuit, on On vous montre ça aux retrouve. abonnés. À Ah, tout de suite. bisous, bisous, à tout à l'heure. Waouh! Ok. Ben nickel ça, tu vois. Voilà, c'est impeccable, hein. Ouais. Voilà. Donc tu vas laisser cuire tranquillement? Oui. Et on se retrouve. À tout à l'heure. À tout de suite. Alors vous pouvez beurrer ou huiler comme elle fait Rabinette là. Voilà, moi je vais mettre juste un tout petit peu d'huile. Hein. Voilà, que ça brille en fait. Hein. Mais pas beaucoup, hein. Vous voyez la pâte m'a fait un giga zit. Ouais. Il y a un giga zit. Du coup, vous pouvez y aller. Hein. Ok, non, 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 rien, rien. Attention, hein. Tu retournes encore une fois? Oui. Jamais 203, les amis. Hop là! Voilà. Ok, allez, on laisse cuire tranquillement et on se retrouve juste après. Donc là, Rabinette, elle est en train de couper, donc départ pour chacun d'entre nous. Donc n'hésitez pas de votre côté, au niveau de la garniture, vous pouvez toujours charger un peu plus. C'est vrai que nous, la garniture, on est un petit peu court, mais on va se régaler, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, refaites la recette, on vous kiffe, on vous aime. La Bisous les famille, amis, prenez soin de vous, bye bisous, bye bye. Bon, essayez à montre-leur un petit peu l'intérieur, s'il te plaît. C'est gourmand, les amis. Vous allez kiffer. Prenez soin de vous, bisous, bye bye. bye. Bye Allez, la famille, psaouraha. bye. À la famille, on vous Tarafrahkoum, on aime. vous aime, bisous. Bye bye. Bye bye. Mmh. Mmh.